Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Moi, je suis surexcitée de vous retrouver pour cette vidéo unboxing. Comme vous l'avez vu sur la vignette, on va déballer les colis que j'ai reçus ce matin. Ce matin même, j'étais chez moi dans ma cuisine. J'entends ding, bon, le facteur qui me dit « Oui, bonjour madame, j'ai des colis pour vous. » C'était même pas « J'ai un colis pour vous, j'ai des colis. » Donc, j'étais surexcitée. Je suis allée les chercher. J'allume mon appareil photo pour les déballer avec vous. Je sais que vous adorez ça, et moi aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit like sur la vidéo. Comme ça, voilà, ce sera fait, on sera tranquille. Je tiens juste à dire que cette vidéo est sponsorisée par deux sites de beauté. Donc, quand je dis sponsorisée, ça veut dire que j'ai reçu les produits gratuitement. Mais par contre, je ne touche rien du tout, je ne suis pas rémunérée. C'est pour ça que je ne mets pas le petit encart, vous savez, inclut une communication commerciale. Parce que normalement, c'est obligatoire quand c'est le cas. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment moi qui ai décidé spontanément, enfin volontairement et surtout gratuitement de mettre en avant ces sites de beauté parce que je trouve qu'ils le méritent. Voilà, j'ai envie de donner un petit coup de pouce à des marques qui, je trouve, en valent la peine, qui sont trop peu connues. Mais je tiens quand même à vous le dire pour être vraiment complètement transparente avec vous. Donc j'ai deux colis qu'on va déballer ensemble. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me donne de l'amour, ça me donne de la force. Pour vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien, juste un petit clic. Et moi, ça me fait très, très, très plaisir. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta. J'ai que deux réseaux, hein. Moi, c'est pas compliqué. Enfin, deux plateformes, YouTube, Instagram. J'ai Facebook aussi, mais j'avoue que j'y vais pas très, très souvent. Ok, je me suis munie de mes ciseaux. J'ai déjà juste ouvert les colis, histoire de pas vous encombrer avec des bruits néfastes, n'est-ce pas? Premier colis, donc, c'est celui-ci. Alors, c'est une marque, c'est un site de beauté qui s'appelle Macosme. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous en parler assez rapidement. Simplement, moi, j'avais vraiment envie depuis quelques semaines et même quelques mois de m'abonner à une box beauté. Voilà, de pouvoir recevoir tous les mois dans ma boîte aux lettres des petits produits de beauté à tester et d'avoir aussi cet effet de surprise. J'avais vraiment envie. Donc, j'ai cherché partout. J'ai regardé un petit peu sur tous les sites, les box qu'il y avait, les abonnements, tout ça. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos parce qu'il y en a plein des box beauté maintenant. On peut s'abonner vraiment à plein de trucs. Mais je trouvais pas vraiment la box beauté qui me convenait. Souvent, quand je regardais les vidéos des autres youtubeuses, dans la box, je sais pas, sur 8-9 produits, il y en avait quoi, 1-2 qui me plaisaient. Donc, je me disais non, ça vaut pas le coup de t'abonner à une box pour recevoir deux produits qui te plaisent et les autres qui te plaisent pas. Ou alors, c'était trop cher. Enfin, voilà, c'était pas... Puis même, c'est pas forcément des produits qui me correspondaient. Bon, du coup, j'ai fini par ne m'abonner à aucune box beauté jusqu'à ce que je découvre le site Macosme grâce à Manon, la youtubeuse d'Irene Taya que je suis. Et j'ai contacté la marque, donc moi-même, comme j'avais fait pour Veichi, pour les culottes de règles. Je suis entrée en contact avec Sandra, une nana qui a été adorable et qui, en plus... Alors ça, c'était vraiment un petit clin d'œil et, comment dire, une sorte de coïncidence, qui vit dans le village côté de celui où j'ai grandi dans le sud de la France, qui sont vraiment des tout petits villages. Moi, j'ai grandi à Gatière et elle est basée à Saint-Janet. Donc voilà, on a pu échanger sur le coin là-bas. Enfin bon, bref, ça c'est perso, mais ça m'a... Voilà, c'était un petit signe du destin. Elle a accepté de collaborer avec moi. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais vraiment envie de travailler avec eux. Et j'ai reçu la première box, donc qui est celle-ci, qui est la toute dernière. Le site Macosme, c'est un site de beauté. C'est non seulement une boutique en ligne, donc tout comme, Sephora, Beauty Bay, Look Fantastic, Cult Beauty, vous pouvez acheter des produits de beauté sur le site. Et parallèlement, ils ont aussi des box beauté. Donc voilà, vous avez deux moyens de découvrir leurs produits. Et pourquoi moi j'ai choisi de travailler avec eux, enfin pourquoi j'ai voulu collaborer avec eux, c'est parce que certaines d'entre vous le savent, je suis en train petit à petit, mais voilà, je dis petit à petit, de transformer ma routine beauté. J'en ai discuté avec pas mal d'entre vous, soit dans les commentaires de mes vidéos, soit en privé sur Instagram, mais c'est pas facile. J'essaie de me tourner de plus en plus vers des produits qui sont sains, qui sont éthiques, voilà, qui sont clean, mais voilà, c'est pas évident. J'ai encore des masses et des masses de produits skincare, que ce soit visage ou corps, à terminer. Je ne veux pas les jeter, je ne les jetterai pas. Je les utiliserai, mais voilà, petit à petit, je veux transformer tout ça, notamment avec la marque Use the People, dont je vous ai parlé, enfin voilà. Et justement, ce site de beauté, Macosme, propose vraiment des marques, voilà, qui sont clean, qui sont saines, alors qui sont soit cruelty free, soit vegan, soit bio, voilà. On est vraiment sur des produits très naturel et hyper concentré en actifs, en fait.
Et voilà, moi, c'est ce que je recherche. Et finalement, c'est tout ce dont notre peau a besoin, de ce qui provient de la terre, quoi. Donc ça m'a vraiment convaincue et c'est vraiment ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Avant d'unboxer là, les produits avec vous, juste ce que je peux vous dire qui est quand même assez intéressant, c'est que si vous allez voir sur le site, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mettrai l'Instagram, je vous mettrai le site, ma cosmé, tout ça, c'est que c'est un site de beauté donc, qui promeut des marques, comme je vous ai dit, vraiment saines, éthiques et tout ça, vraiment à l'inverse de tout ce qui est pétrochimique. Donc, dans leurs produits, vous ne trouverez pas de pétrochimie. On est dans l'idée de ne pas surconsommer. Ce que moi j'ai fait pendant depuis toujours en fait, et j'essaie de moins faire, de pas surconsommer, mais d'acheter des produits voilà vraiment plus ciblés. Et la troisième chose dont je vous ai pas parlé sur le site qui est très intéressante aussi, c'est que on a un accompagnement sur notre routine beauté, c'est-à-dire que si on a envie comme moi par exemple de changer de routine, mais petit à petit de transformer notre routine, ce qui est pas évident, eh ben on a tout un onglet où on nous accompagne là-dedans. Et ça, je trouve ça vraiment top comme démarche. Donc on n'est pas du tout dans une démarche moralisatrice voilà, qui dit voilà, n'utilisez pas de la merde pour votre peau ou pour vos cheveux. Non, on n'est pas là-dedans. Au contraire, on est dans l'accompagnement des gens qui, comme moi, veulent, souhaitent changer de routine. Et ça, je trouve ça vraiment top, top, top. Sachant que ce qui est super, c'est qu'on prend en compte les besoins de votre peau. Et ça, je ne l'ai jamais vu dans aucune box aussi. C'est que généralement, on reçoit tout le temps les mêmes produits. Là, vous pouvez choisir en fonction de votre type de peau. Vous précisez, est-ce que vous avez la peau mixte, grasse, sèche, normale, etc. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez recevoir des produits qui sont adaptés à vous. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, quand je voyais d'autres produits dans des box qui ne me conviennent pas du tout. Du coup, j'en fais quoi? Là, au moins, je suis sûre que les produits, ben, ils seront pour moi, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. Top. Et puis, la dernière chose que peut-être je peux vous préciser, c'est qu'il y a aussi différents types d'abonnements, ce que je trouve pas mal, parce que souvent c'est un abonnement au mois et on reçoit sa box tous les mois. Là, il y a des abonnements donc sur un mois, sur deux mois, sur six mois, sur huit mois, sur un an, avec à chaque fois différentes modalités. Il y a pas mal de cadeaux, livraisons offertes, etc. Donc voilà, on peut vraiment, que ce soit au niveau des produits en eux-mêmes et de son type de peau ou de cheveux, ou bah, de son budget et de ce qu'on souhaite, et bah, adapter vraiment la box qu'on veut recevoir. Et on peut même acheter les produits à l'unité, c'est-à-dire que si vous voyez une box qui vous plaît, parce que toutes les box sont disponibles, encore les box de ces derniers mois, si vous voyez par exemple dans une box, je sais pas, je dis n'importe quoi, la box du mois de mai, un seul produit qui vous plaît, et bien vous pouvez le commander à l'unité. Donc le site Ma Cosmé livre à La Réunion, donc ça c'est très positif. Je crois que j'ai assez parlé. Vous avez peut-être envie de voir maintenant le contenu de cette box, qui est donc la toute dernière hein, qui est sortie. J'ai juste ouvert le colis, donc ça se présente comme ça. Là, on ouvre et on a le petit logo Ma Cosmé. Alors par contre, c'est super bien emballé. Le truc, il y a des papiers partout, etc. Mais comme il y a pas mal de produits en verre, je pense que c'est pour ça. Aucun risque de casse. Il y a un petit papier de soie dessus avec une citation. Et à chaque fois, la citation est différente. Et alors moi, celle que j'ai reçue, c'est « La sécurité la plus sûre, c'est celle que vous construisez en vous, car personne ne peut vous l'enlever. » Richard Thibaudeau. Et je vais vous dire un truc, ça tombe assez bien en ce moment. Je fais du bruit. Alors, on a un petit formulaire qui est comme ça. Et c'est marrant parce que c'est le hashtag NoFilter et c'est celui que j'utilise tout le temps sur Instagram, celui que je prône, NoFilter. Bon, avec tout un descriptif, etc., de la marque, du hashtag et tout ça. A priori, il y a un descriptif des produits qu'il y a dans la box à l'intérieur. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Routine beauté. Eh bien, c'est des conseils de routine beauté. Je pense qu'ils ont l'air liés aux produits reçus. Eh bien, franchement, pas mal. Je vous dis, on est dans l'accompagnement, en fait. Alors, oh, il y a un petit... il y a un premier produit. Alors, c'est marrant. C'est une pochette en wax, regardez, qui est comme ça. Vous savez à quel point j'adore le wax. Moi, je crois que j'avais fait d'ailleurs une vidéo entière sur le wax, qui est le tissu africain emblématique. Et ouais, franchement, c'est trop mignon, une petite pochette en wax comme ça, en tissu, pour trimballer les produits notamment. Et ben, c'est un petit bonus, c'est toujours sympa. Alors, premier produit de beauté, par exemple, on a un fluide revitalisant, donc de la marque Intimu. Alors, je ne connais pas, la plupart des marques, je ne les connais pas, mais ça va me permettre aussi justement de découvrir des marques, c'est ça que j'aime bien. Fluide revitalisant distingué à l'aloe vera et à l'huile essentielle de myrte. Ah ben, ça tombe plutôt pas mal, l'aloe vera avec moi. C'est un produit qui est fabriqué en Corse.
Donc il se présente comme ça. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est pour, j'imagine, le visage, peut-être le corps aussi. Du maquis à votre intimité, cueilli à la main, puis distillé avec passion, l'âme des plantes sauvages corses et leurs vertus cosmétologiques uniques sont restituées dans des soins dans nos soins naturels. Moi, j'ai précisé à Sandra donc que j'avais une peau mixte sur la zone T et assez sèche sur le reste du visage. Donc ce seraient des produits qui, je pense, vont me convenir parfaitement. Deuxième produit de la box. Nous avons un masque éclat de rose de la marque Cosmica qui se présente comme ça. Voyez les packagings, on est vraiment sur des packagings minimalistes, clean, qui correspondent au contenu des produits, hein. On est dans cet esprit-là. Donc masque éclat de rose purifiant et régénérant. Je connais pas trop cette marque Cosmica non plus. Avec à l'intérieur de l'huile essentielle. Vous pouvez préciser si vous êtes allergique aux huiles essentielles sur le site. Alors, c'est un masque sous forme de poudre. Regardez comme ça. Donc derrière, il y a le petit descriptif. Déposer une cuillère à soupe de poudre dans un bol, humidifier avec de l'hydrolat. Ben, ça tombe bien, j'en ai plein. Moi, j'ai la verveine, la rose. Enfin, j'adore les hydrolats bio notamment. Et appliquer sur le visage. Donc là, on est vraiment dans de la poudre de rose. Oh là là, ça peut être génial. J'ai trop envie de tester ça. Alors, troisième produit de la box, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, j'ai entendu parler de cette marque. C'est la marque Alors ça pousse. C'est un baume concentré, nettoyant, démaquillant qui se présente comme ceci. A priori, avec ce baume, on peut faire 30 utilisations. Ah, c'est avec, vous savez, du cannabis. C'est hyper en vogue, ces produits skincare avec du cannabis à l'intérieur. Et j'en ai jamais essayé, donc on va voir. Et je vous avais dit notamment, quand j'ai fait ma vidéo produit terminé, j'avais comparé le baume et l'huile démaquillante de chez Clinique Take the Day Off, et j'avais préféré le baume. Donc ça tombe très très bien de recevoir un petit baume démaquillant qui sent super bon. Ouais, il sent la nature, il sent le frais. On va voir, cannabis, si vous connaissez bien sûr, dites-moi dans les commentaires. Alors j'ai hâte de tester ça. Avec des eaux de fleurs à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans cette petite box? On a alors une huile nacrée pour le corps à la coquille d'huître blanche de la marque Perlucine qui se présente comme ça. Regardez, j'adore le packaging. Je le trouve trop, trop beau en verre et bois. Je trouve ça magnifique ce packaging. Perlucine, je ne connais pas du tout. Par contre, cosmétique naturelle. Donc, c'est une huile sèche. Ah, parfait. Parce que moi, je déteste les huiles vraiment qui laissent l'effet gras sur la peau. Enrichie à la poudre de coquille d'huître blanche, mais je ne connais pas du tout ça. Elle hydrate et assouplit la peau et laisse un parfum délicat. Les produits sont fabriqués en France. Oh là là, j'ai hâte de tester ça. Autre produit, donc là, il me semble qu'on est sur un produit capillaire. Ah non, pas du tout. Donc, nuage de chantilly. Alors, c'est la marque Canité, là par contre, fabriquée en France aussi. Soin aérien et gourmand, crème fouettée pour le visage et le corps. Ça se présente comme ça, c'est quand même un énorme pot. 100 ml. Donc, ouais, c'est pas mal ça, les produits qui peuvent s'appliquer et sur le visage et sur le corps. Moi, j'aime bien. Je vais sentir quand même. Donc, on est sur au beurre de karité, à l'huile de baobab et à l'huile de nigel. Tout est bio, cruelty free, vegan, etc. Ah là là, ça peut être génialissime. Oh mon Dieu! Oh, j'adore l'odeur. Oh, ça sent, ouais, le karité. J'adore. Ça a l'air très, très, très onctueux, très... Ouais, aérien, ça porte bien son nom. Regardez, je sais pas si vous pourrez voir la texture à la caméra. On dirait effectivement une crème fouettée. Oh, j'adore. Oh, j'ai trop hâte d'essayer. Je pense que ça, je vais l'essayer dès ce soir. Sur mon petit corps et mon petit visage, tiens. Le produit porte vraiment bien son nom. Nuage de chantilly. Eh bien, il nous reste un dernier produit là dans la box. Parce que oui, j'ai précisé à Sandra, puis elle l'a vu sur ma chaîne YouTube, que j'aimais autant les soins que le maquillage. Du coup, elle m'a dit... Je te mets un petit produit d'une marque qui mérite d'être beaucoup plus connue. A priori, voilà, c'est un rouge à lèvres de la marque Elikia. Alors, je ne connais pas Elikia Beauty. Un rouge à lèvres liquide mat. Il se présente comme ça. Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas, dites-moi aussi si vous la connaissez. Donc là, on est sur une teinte rouge, a priori. Hein. Je vais quand même la swatcher sur ma main. Rouge, ouais, on est sur un rouge assez intense quand même, hein. Bon, c'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter au quotidien, comme vous savez. Mais bon, avoir un bon rouge dans son make-up, c'est un indispensable. Donc, je vous dirai ce que ça donne là aussi. Donc, voilà, 6 produits dans cette première box. Enfin, 7 avec le petit pochon en wax. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette première box.
J'ai vraiment hâte d'essayer tous ces produits là, hyper naturels, et je vous ferai un retour bien sûr. Et je suis également ravie et très très fière de pouvoir vous parler de cette marque. Je me fiche complètement, pour être complètement honnête avec vous, je me fiche vraiment vraiment de collaborer ou de faire des partenariats avec des marques ou des sites connus. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler avec des marques qui me, voilà, qui m'intéressent, que j'ai envie de mettre en avant, qui correspondent à mes attentes et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Voilà, donc je suis vraiment fière. Merci encore Sandra, merci pour cette première box et j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Ok, nous allons passer au deuxième colis. Donc, le deuxième colis, je l'ai juste ouvert pareil, c'est la deuxième box beauté que j'ai reçue donc de Virginie Box 974, donc de La Réunion. Je vous en ai parlé dans mon dernier unboxing, j'avais reçu la première box. Je laisse Virginie, dans les commentaires que j'épinglerai tout en haut, répondre à toutes vos questions. En tout cas, je rappelle vite fait le principe. Virginie a décidé donc de créer un site de beauté et de vendre à La Réunion des produits que l'on ne trouve pas ici, de marques voilà, connues, qui sont vendues par exemple chez Sephora, Nocibé, ou sur des sites comme Beauty Bay, Cube Beauty, etc. Mais pour nous qui vivons à La Réunion, c'est impossible de les trouver ici. Et donc je trouve ce principe absolument génial. Je ne comprends pas pourquoi personne ne l'a fait avant d'ailleurs. Et donc là par contre, je crois qu'il n'y a que des box pour l'instant, avec plusieurs produits à l'intérieur, 3 à 5 produits pour des box de 15 à 20 euros. Si vous habitez à La Réunion ou pas d'ailleurs, même si vous êtes en métropole et que ça vous intéresse de recevoir ces produits-là, ces box mensuelles, et de soutenir des petits créateurs, des petites créatrices qui, voilà, de beauté qui se lancent, vraiment n'hésitez pas, Virginie sera là pour répondre à toutes vos questions. Et là encore, les produits sont adaptés et c'est ça que je trouve génial. Donc voilà, Virginie Box 974, elle m'a mis un petit mot. Camille, voici ta deuxième box, j'espère qu'elle te plaira. Tout d'abord, tu trouveras un petit sachet pour tes filles. Oh là 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 là, mais quel amour. Est-ce que c'est ça? Pour mes filles, elle a mis... Merci Virginie, t'es vraiment un amour d'avoir pensé à mes deux poupées. Franchement, c'est trop gentil. Pour mes filles, qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des petits... J'ai tout balancé par terre, je fais comme si j'étais toute seule alors que je suis en train de filmer une vidéo. Donc on a un petit papier cadeau comme ça. Et pour mes filles, donc a priori, il y a des petits miroirs. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça, de la marque Happy Smile. Des petits miroirs trop 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 mignons. Regardez celui-ci avec la panthère rose. On a le miroir d'un côté, tac, trop choupinou. Je vais peut-être les garder pour moi, hein, tiens. Et le deuxième, c'est le même, la panthère rose aussi. Franchement, trop mignon, merci beaucoup. Ensuite, tu trouveras un produit au parfum de notre enfance. Pour continuer, il y a un produit que tu dois absolument découvrir. Et enfin, à La Réunion, il nous faut des produits de cette nature. Trois petits points, est-ce que tu as deviné? De cette nature, soit des produits solaires, puisque bon, on vit quand même dans l'hémisphère sud au soleil. Soit, je sais pas. Bien sûr, il y a un bonus. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. D'abord, dans le colis, j'ai un petit sac qui est comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, mais oui, c'est ça. Des produits de cette nature, c'est un produit solaire. Eh, j'ai bien deviné, je pense. Et en plus, ce sont des produits solaires Lancaster. Enfin, il y en a un qui est comme ceci. Je vous ai souvent parlé de la gamme Lancaster. La gamme solaire qui est ma gamme solaire préférée. Donc, franchement, c'est top. Celui-ci, c'est un lait après soleil qui va venir donc prolonger le bronzage pendant un mois. Et franchement, génial. Génial, j'adore ces produits. Je trouve qu'ils ont une super odeur et ils ne laissent aucun effet gras. On peut même se maquiller ensuite. Pour des produits solaires, ils sont géniaux. Oh là là, je le vois déjà. Le deuxième produit, c'est un rouge à lèvres. Et alors, quand je vois ça, est-ce que tu parles de ça quand tu dis de notre enfance? Parce que... regardez, c'est un rouge à lèvres de L'Oréal Paris. Et alors, je vais vous dire un truc. Alors ça, c'est la teinte 236 Organza. Mais ce rouge à lèvres-là a été mon tout premier rouge à lèvres. Ça me fait trop bizarre de le voir. Je vais le chercher, je vais vous le montrer. Mon tout premier rouge à lèvres qui est terminé depuis des années et des années, mais que j'ai gardé juste par, je sais pas, par affection et comme souvenir. C'est un... voilà, vous voyez, il est comme ça. Alors, il est tout abîmé, hein. Je le garde dans mes tiroirs depuis des années. C'était la teinte 231, qui se fait plus maintenant, hein, de la gamme Accord Naturel de chez L'Oréal. Et c'était la gamme brunette. C'était une sorte, bon, on voit plus rien, de nude un peu noisette marronné. J'ai mis ce rouge à lèvres à la fac pendant des années, tous les jours. Et je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Et là... oh, ça me fait trop bizarre. Regardez, c'est vraiment le... bon, c'est pas tout à fait le même. Symboliquement,
Effectivement, ça me fait bizarre de recevoir un rouge à lèvres comme ça. Et ça me touche, en fait, ça me fait trop plaisir. Donc, je vais l'ouvrir, cette teinte 236, Organza. Oh là 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 là, ça va être parfait. Je vais le swatcher juste à côté de l'autre. On est sur un nude rosé qui a effectivement des petits sous-tons, mais alors très légers, violets et un petit peu satinés. Regardez, je vous le montre comme ceci. Ça, c'est tout ce que je porte, voilà, tous les jours. Hein, si vous me suivez un peu, vous le savez. Et sur la main, ça donne ça. Je l'ai placé à côté du liquide mat de ma Cosmé. Regardez comme il est joli. Oh là là, il est lumineux, il est crémeux. Ah, sur les lèvres, ça va être magnifique. Merci beaucoup, je suis trop contente. Et l'odeur, oh, c'est la même. C'est exactement la même que mon brunette là de L'Oréal. Cette odeur de rouge à lèvres, vous savez, de vrai rouge à lèvres à l'ancienne, quoi. Qui sent le rouge à lèvres. Oh, j'adore. C'est... Ouh, ça me fait quelque chose. Je vous jure, je suis toute émue. Il y a encore des choses dans le colis. Il reste deux produits. Alors, un premier produit qui est une gelée infusion hydratante au pur jus d'aloe vera bio 93%. Ben, c'est parfait. Hydrate, lisse et apaise de la marque Akan. Donc, ça se présente comme ça. Virginie m'a parlé de la marque Akan que moi, je connais très peu. Donc, je vais découvrir. Fabriqué en France, ouais, je suis très, très, très contente. Donc, on peut l'appliquer sur le visage, le corps, les cheveux. De toute façon, l'aloe vera, je vous en ai souvent parlé, c'est magique. Donc, ouais, vraiment contente de ce produit. Et le tout dernier, qu'est-ce que c'est? Il reste un petit produit, là, dans le colis. Mais au vu des écritures, ça a l'air asiatique. C'est une petite boîte comme ça, couleur lilas, avec le petit pan dessus. Très joli, au demeurant. Oh ouais, c'est ça. Je crois que c'est asiatique parce qu'il y a des signes partout. Je serais complètement incapable de lire. Hein. Et en fait, c'est un petit kit de pinceau. Regardez, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je vais en sortir un ou deux. Il y en a combien à l'intérieur? Ouh, oui, on a des pinceaux teints, des pinceaux yeux. Il y a 7 pinceaux à l'intérieur. Ils sont trop mignons. Donc, c'est la marque Bio Awa, quelque chose en asiatique. Ils se présentent comme ça. Ils sont tout doux. Oh là là, ils sont très... très très doux les pinceaux, et franchement cette taille là pour embarquer dans le sac à main, j'avoue que c'est nickel. On a la petite boîte qui va avec en plus pour les protéger, et donc on a des petits pinceaux yeux, ça il me semble que c'est un pinceau ras de cils, des petits pinceaux, voilà, on en a plusieurs, des pinceaux estompeurs, on a même un pinceau plat, un pinceau biseauté. Eh, c'est pas mal, hein, un pinceau anti-cerne. Regardez, c'est trop mignon comme ça dans la petite boîte. Je vais les re-ranger. Et pour, voilà, pour trimballer dans le sac à main et tout, j'avoue que c'est vraiment sympa, sympa. Est-ce que c'est ça, tu me disais, que tu dois absolument découvrir? Ben écoutez, voilà, j'ai ouvert les deux box beauté avec vous. Franchement, j'ai de quoi faire là. Au niveau du skincare avec ma Cosmé, il y a même le rouge à lèvres. Et du make-up avec la box de Virginie. Je suis vraiment contente. Je testerai tout ça. Il y a des choses que j'essaierai avec vous en vidéo. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai bien sûr un retour sur tous les produits. Si vous avez des questions, je vous le redis vraiment une dernière fois, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur ma Cosmé ou sur Virginie, je vous mettrai bien sûr la plupart des infos sous la vidéo, là en barre d'infos, mais vraiment, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. N'hésitez pas à les contacter directement aussi, si ça vous intéresse. Je vais vous laisser là, je vais arrêter de papoter, je vais ranger tout mon bazar. N'hésitez pas à mettre le petit like si la vidéo vous a plu, à commenter surtout, dites-moi si vous connaissez certains produits entre tout cela, si vous connaissez les marques, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des conseils pour moi. Je prends toujours. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!